C'était un dépôt. L'objectif idéal, je ne vous le cache pas, ça serait qu'à la fin de cette exposition, les œuvres ne retournent pas au CIMES de leurs quatre musées respectifs, en l'occurrence le musée des Beaux-Arts, le musée des Arts décoratifs, le musée de l'œuvre Notre-Dame et le musée d'art moderne et contemporain, mais qu'elles retournent aux descendants de leurs légitimes propriétaires. Alors c'est un vœu pieux, parce que depuis 1950, depuis que l'année où ces œuvres nous ont été confiées, effectivement la situation est figée à Strasbourg, elle ne l'est pas partout, parce que près de 200 œuvres depuis les années 1950 ont pu être restituées et ont trouvé leur légitime propriétaire. Alors, il faut savoir qu'il y avait deux affectataires privilégiés dans les spoliations. C'était tout d'abord en rapport avec le projet mégalomane de Hitler d'un musée central à Linz, donc très près de sa ville natale. Ça, c'était le premier affectataire. Et ensuite, le second choix relevait pour sa collection privée. Il faut bien s'imaginer. Donc, c'est du pur vol pour la collection privée de Göring.